encore de prendre ce moment. Merci encore pour ceux qui ont décidé, n'est-ce pas, de soutenir encore cette œuvre de l'ONG, la Fondation Prophète Jacques Rasso. N'est-ce pas, il bénit ces personnes en parlant. Permet que Jésus-Christ, leur situation soit encore dans le cas de Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Voilà, on a juste 2 heures, hein, parce que ici il faut que 2 heures, il faut 22 heures pour libérer la salle. Aujourd'hui, c'est le lancement du programme de l'Italie. Comme je disais, s'il vous plaît, je suis en pleine parole, chantons-les, s'il vous plaît. Respectez ce moment parce que Dieu est présent. Non, ma voix me porte. C'est ça? Baba, ça va? Oui. Moi, je suis habitué à ça. Je suis habitué. Bon, donc, je suis en pleine tournée européenne. Je l'ai expliqué tout à l'heure dans l'introduction. Chaque année, pratiquement depuis 2015, je suis constamment là. En fait, de pouvoir aider la diaspora. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux plus maintenant prendre des gens sur le Skype parce que j'ai plus le temps. Ce n'est pas parce que le prophète est malin, non, j'ai pas le temps. J'ai l'orphelinat à gérer, j'ai tout le centre à gérer. Vous allez écouter un sorcier, vous savez, les sorciers, papa, vite. Tu vas faire 2 heures, 3 heures en train de délivrer un seul sorcier. Et maintenant, on attaque dans beaucoup de villages. Donc, on n'a plus le temps de venir s'asseoir. Hein, n'est-ce pas? Donc, vraiment, ceux qui, par moment, soit doivent être beaucoup vraiment gentils avec nous. Quand je vois les messages, je ne sais pas, quand je rentre, souvent même je rentre jusqu'à 3 heures du matin. Comme avant-hier, avant de venir en Italie, c'est à 2 heures que je suis rentré en ma résidence. À 2 heures, on m'a réveillé à 5 heures. Je suis fâché. Mais je dois aller prendre le TGV. Le TGV, ça, c'est à quelle heure? 6 heures. À 6 heures. Dans la douche, je suis fâché. Bon, un an comme ça, j'ai dormi dans le... Si j'ai toutes les 2 heures du matin. Donc, je n'ai plus le temps. Il n'y a plus le temps, il faut aller aider les gens, on n'a plus le temps. Ce qui fait que par moment, on n'a plus le temps, trop de temps de... C'est pour ça que par moment, quand je donne le numéro de téléphone aux gens, parce que je suis plus venu voir pour Viber, WhatsApp. Voilà, Viber. Mais Facebook, il y a trop de gens là-bas qui partent. Et puis dans mon Facebook, je ne suis pas le seul à gérer le Facebook. Donc quand vous envoyez ça par Messenger, et peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne répond pas vite. Ça, je vous dis la vérité. C'est Facebook, j'ai plus de 25 000 amis. Donc je ne réponds pas vite aux gens. Je regarde tes activités. Parce que Facebook, il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont pas mauvais. Moi, je m'assieds un terrain où je m'attends toujours à des mauvais types, et après, il y a des bons types. Parce que si il y a 10 enfants, 10 personnes, il y aura parmi ces enfants 7 enfants de Satan et 3 enfants de Dieu. C'est comme ça. Il y a plus d'enfants de Satan. Ça, là, c'est une vérité. Il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. C'est pour ça que moi, je prends la peine de donner les numéros aux gens, c'est parce qu'on file. Et puis depuis ma tournée européenne, cette tournée, c'est des personnes qui ont organisé la tournée. Elles ont payé le billet d'avion. On n'a pas demandé aux gens, c'est un fonds propre. Ils ont pris leur argent. On dit qu'il faut que le prophète vienne. Mais non seulement ça, il ne faut pas que ça reste seulement en France, qu'il soit partout, toute l'Europe. Donc on s'est organisé. On a fait d'abord Lyon. Lyon, quand les gens de Paris ont demandé, ils se sont jetés dedans du manqué. Il ne faut pas que les gens disent non, que le prophète est venu pour Lyon, il faut qu'on organise Paris. Et on a fait Paris. Je suis allé en Suisse. Le pasteur Ferdinand est venu, on a essayé d'échanger avec lui. Je venais simplement pour sa famille. Il m'a appelé, il dit, bon, j'ai une salle, vous savez, il y a trop de gens qui m'appellent, ils m'ont vu. Bon, on a décidé de faire... C'est pour ça que la salle est petite, parce qu'on ne s'attendait pas à trop de monde. Bon, gloire à Dieu. Moi, je connais un peu l'Italie. J'ai déjà vu un peu à Verona. J'ai déjà vécu une expérience quand je suis parti à Florence. Et c'est l'expérience qui m'a plus choqué en Italie. Je suis parti en Italie sur le point... Merci parce qu'il y a ma fille ici. Elle est venue m'inviter, je suis venu aider la famille, super, bien. Je suis parti à Florence, aider les gens. Moi, je vais aller les aider. Je prie. Ce que moi, je vends, moi, j'ai dit toujours, je vends l'huile. Moi, je vends ça. Pour nourrir mon personnel, c'est ce qu'il prend. Pour payer mes trucs, tout ça. L'argent d'huile, là, vous bloquez ça. Le prophète veut partir à Paris. Ils ont même moi à Paris. Il y a des choses à régler à Paris pour venir en Italie. Après, vous avez bloqué l'argent du prophète. Je demande ça, vous tournez. Je suis à l'hôtel Ibis. À 12h, je dois libérer la salle. Personne ne vient me voir. Ah non. Donc, on envoie, le gars vient, il est fâché. Je ne sais pas pourquoi il est fâché. Et en même temps, on me laisse dans mon hôtel. Je sors parce qu'il libère la. C'est une de mes filles qui travaille à l'hôtel Ibis. Qui m'a vu, mais qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, mais non, on m'a laissé. Quoi? Oh, j'ai dit à mon billet, il fallait aller à 15h prendre le vol. Et le vol, ce n'était pas à Florence, c'était dans une ville à 4 km, à 40 km de Florence. Vous comprenez? Cette chose-là, ça m'a marqué à point que quand les gens disent qu'ils sont de Florence, je ne vais pas les écouter. Mais oui, mais ne jouez pas les gens.
Ne jouez pas les gens. Ils m'ont laissé de comprendre, laisser un homme comme le prophète dans un hôtel. Je ne sais pas. C'est tout. Et puis après ça, les gens disent non, tu avais promis de venir à Florence, tu as pu revenir. Mais je ne veux pas revenir à Florence, vous allez me tuer. Vous allez me tuer. C'est pour ça que je ne suis plus revenu à Florence. D'autres disent ah non, on a pris nos bouteilles, le prophète n'est plus venu, je ne pouvais plus venir à Florence. Je me suis rendu compte que j'avais autour de moi des gens bizarres. Moi, c'est comme ça, je fais confiance aux gens à 50%, ce n'est pas à 100%. 50%. Maintenant, si tu me montres que tu ne mets pas ma confiance, je ne viens plus vers toi. Voilà, donc, et puis après, on a eu l'expérience de. On a eu l'expérience de Rosa, super bien. Et quand le pasteur m'a dit de venir, n'est-ce pas, ici, bon, gloire à Dieu. On a juste répondu à l'invitation, justement, pour vous aider. Nous sommes en zone, comme je dis, je ne peux plus maintenant, à moins que ça soit par coup de chance. Parce que par moi, je prends les gens, si je répète ça, je le dis. Skype, ça se en vend. Mais maintenant, je suis débordé. Il faut gérer les États-Unis. Il faut gérer tel continent. Aujourd'hui, même, je suis réclamé au Brésil. Je dois partir au Brésil. Je dois aller en Australie. Je suis allé au Canada. Tout le Canada sont se mobiliser pour le programme du Canada. Voilà, donc je n'ai plus le temps de m'asseoir. On a décidé la tournée parce que c'est corps à corps. Or, souvent, quand on parle, les gens, c'est Skype. Les gens cassent leur ordinateur. Des morceaux. Oh, tu vois, il est ouvert les bagues. Son ordinateur lui-même est tombé, l'ordinateur. Vous voyez donc, on a compris que c'est le corps à corps qui est bon. Qu'on se rencontre en face, face to face, on dégage. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce qu'ici on chasse des morts? Et non, non, pasteur, parce que je vois le cri carré. Est-ce qu'on chasse des morts? Il dit oui, il dit pas. Le coup est trop calme. Parce qu'un démon, il dit pas. En toi et celui qui ne sait pas Dieu, c'est de te voir ton témoignage. Ton témoignage. Si ton témoignage n'influence pas le païen, il ne se donnera jamais à Jésus-Christ. Jamais il se donnera à Jésus-Christ. Jamais il ne marchera avec Jésus-Christ. Jamais il n'acceptera pour Jésus-Christ. C'est cela que nous sommes dans l'obligation de passer par la délivrance. Or, quand on dit délivrance, ce n'est pas forcément des mensonges. Or, il y a des actions qu'on doit mener pour que les choses aillent mieux. Il y a des choses qu'on doit briser par les actions prophétiques. C'est pour cela que nous sommes là pour vous aider. Amen. Vous aider. Il y a des gens qui ont ce don là. Chacun a son ministère. Il y a des gens qui ont la capacité, quand Dieu est par eux, Dieu passe, et puis décante une situation, vous devez postuler. Amen. Amen. Ça c'est clair. Amen. Vous devez prospérer. Quand vous voyez un juif, vous voyez sa prospérité. Moi, je posais, je chantais de faire des enseignements en hébreu, en araméen, avec les juifs hébreux. Ils m'ont choqué, ils m'ont dit, celui qui dit là, Dieu doit prospérer. S'il ne prospère pas, il a un problème. C'est que Dieu est absent de sa vie. Si Aïd, si, le juif, si. C'est pour ça que tous les juifs prospèrent. Comme il se tient en hébreu. Amen. Donc, c'est le secret. On va vous ouvrir les portes. Il faut que vous prospérez. Il faut que les gens aiment mieux. C'est possible. Ici, même en Italie, il peut être béni. Les gens, ils pensaient qu'aller en France, ils sont allés en France avec tous les problèmes. Prouvez que tu rencontres Dieu. Je disais comme ça. Saül ne t'est pas appelé à la royauté. Saül, je ne l'ai pas. Non, lui, il est pâté. Pour les années, qu'elle a rencontré Samuel, les deux voix. Samuel n'a pas de cœur comme ce qui est mort. Et puis, quoi de ce. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Il suffit seulement de rencontrer quelqu'un pour parler sur toi. Amen. Pas que quelqu'un parle sur toi. Que les choses se mettent en ordre. Sont moins importantes. Tant que quelqu'un ne parle pas, un point ne parle pas sur quoi, les choses ne rentrent pas. C'est où on peut me rendre. Il y a des prières qu'on prie. Mais les choses, il faut que quelqu'un parle. Et met les choses en ordre dans notre vie. Amen. Et c'est ça, il faut que quelqu'un parte pour mettre les choses en ordre. Amen. Oui, il faut que quelqu'un parte sur ta vie. Tu as beaucoup prié, mais l'étape, il faut que quelqu'un parte. Il faut qu'il y ait ordre les choses. C'est ce qu'ils vont faire pour mettre les choses en ordre. Parce que tu marches gauche. C'est comme si tu avais deux pieds gauche. Gauche. Le gars, il va où même? Qu'est-ce qui se passe? Tu rencontres les gens gauche. Les gars sont vraiment bizarres. Qui te font pleurer. Tu plais seulement. Amen. Je te déclare que ta vie va changer au nom de Jésus. Amen. Je te déclare que ta vie va changer au nom de Jésus. Amen.
quelqu'un, il faut qu'on parle de toi. Il faut qu'on parle de toi. Dis à quelqu'un, il faut que tu prospères. Amen. Dis à quelqu'un, il faut que tu prospères. C'est bien debout, oui. C'est bien debout, nous allons prier. Levez les mains. Prions. On nous dit, il n'y a pas de délivrance. On va confier au Seigneur. Et puis demain, nous allons prier sérieusement demain. Je pense que demain, 11h, nous allons faire le programme. Je préfère demain 11h. Amen. Comme ça, la journée sera pleine. Amen. Bah, 16h, c'est pas bon. Vous qui étiez préoccupé, vous l'avez vu. Hein? Demain, maman, déjà, demain déjà 11h, nous démarrons le programme. Amen. Enseignement, délivrance, réception. On va également faire dimanche pour recevoir tout le monde. D'ailleurs, vous n'êtes pas nombreux. Donc, ça va me permettre de recevoir homme par homme. Et puis, on va faire des actions prophétiques. Amen. Amen. Amen.